Ben oui, ben, moi je m'appelle Franche Lemarec et je suis arrivé avec ma mobylette en mars 73 à Plouganou pour commencer les classes de mer qui à l'époque étaient au Diben, au centre de la Fédération des œuvres laïques de l'Eure. Jusqu'en fin février 73, les études me poursuivaient à Brest. Et bon, c'était pas mon truc du tout. Donc, j'ai rencontré un des gars qui travaillait au centre de Bernard Mével, qui travaillait au centre de classe de mer du Diben, et puis qui m'a dit bon, ben écoute, on cherche. J'étais moniteur de voile déjà à l'époque. On cherche des moniteurs de voile pour commencer. Ça, c'est un truc tout nouveau, les classes de mer. Donc, je suis arrivé le 11 mars 73, et j'ai commencé les classes de mer tout de suite, quoi. Sulta, quoi. Ouais. Bon, et je ne savais pas trop, je connaissais un petit peu, mais je ne connaissais pas le nom de tous les animaux marins qu'on montrait aux enfants, tout ça, mais moi, je m'y suis mis, quoi. Hein. Et la première classe, bah, j'ai travaillé avec, avec une instite, elles étaient deux, il y avait deux classes, de Courbevoie. Donc là, il n'y avait pas de problème pour tout ce qui était maritime, puisque j'étais... J'étais moniteur de voile, et puis bon, j'avais déjà enseigné la voile, donc il n'y a pas de problème. Mais ben, tout ce qui est pêche, tout ça, ben, j'ai appris sur le tas. Hein, tout ce qui est, parce qu'en classe de mer, on accueillait les enfants à l'époque. C'est ancien, ça ne se fait plus. Mais on accueillait les enfants entre 3 semaines et 1 mois.